Et plop les gens. Zikino et bienvenue dans ce Let's de The Stanley Parable. Alors, on va commencer très vite, très fort. C'est un jeu où il faut éviter de se spoil. Voilà. Je commence comme ça. Maintenant, je vais vous décrire un petit peu le jeu. Donc, le jeu est disponible sur Steam au prix de 21,99€. En ce moment, au moment où je tourne la vidéo, je pense qu'au moment où je vais diffuser, ça sera déjà fini. Solde d'été où le jeu est déjà à moins 33%, alors qu'on est que quelques mois après la sortie. The Stanley Parable Ultra Deluxe, je sais pas si je l'ai dit en entier. Moins 33%, ça fait 4,73€. Voilà. Déjà. Donc le jeu est sorti le 27 avril 2022 et il y a bel et bien The Stanley Parable et The Stanley Parable Ultra Deluxe. Donc le premier est un jeu qui est sur leur source, je crois, de Valve et qui était sorti en 2013 et celui-ci est fait sur Unity. Et est sorti le 27 avril 2022. Pour ceux. Voilà. Le jeu est jouable à la manette. Moi, j'ai un petit peu de mal là sous Linux à mettre d'ailleurs les touches ZQSD. Enfin, oui, ZQSD, mais les BPO. Qui prennent pas bien. Donc, voilà. La manette, ça marche très bien. On peut même y jouer juste à la souris. Je crois que c'est en maintenant les deux clics. Le personnage avance. C'est un jeu solo. Et c'est un jeu. Alors j'ai mis français. Comme j'ai mis, c'est un genre narration. Donc le narrateur est très important. C'est vraiment lui qui va donner toute l'expérience au jeu. Et évidemment, nous on va faire dans le jeu. Donc lui, les voix off sont en anglais. Voilà. Mais on peut activer les sous-titres. Enfin, on peut activer les sous-titres en anglais ou en français. Là, pour la découverte, et j'avais pas envie de m'embêter même moi-même perso, mis en français par les voix, la voix. Mais on peut mettre le jeu en. On peut, enfin, si on a envie d'apprendre l'anglais, hein, c'est ce que conseiller faire du temps, hein, pas se payer des cours pays anglophone, vous pouvez mettre la voix en anglais, plus en anglais, et le taux d'anglais va très vite monter si vous avez besoin. Et là, on est sur une découverte en français, donc on va profiter du français. Voilà, je remercie du coup le studio Crow, donc Corbeau, de nous avoir donné une clé et les jeux du cygne, en particulier Damned, qui a réussi à récupérer. Et bah, pour récupérer justement et me la transmettre, je puisse vous faire cette découverte. Comme j'ai dit au tout début de l'introduction, c'est un jeu. Ou c'est mieux de pas se spoiler d'ailleurs. Je maintenant. Ah. Un jeu où c'est mieux de pas se spoiler. N'hésitez pas à dire dès que vous vous dites ok c'est bon ça me plaît. Par contre, c'est quelque chose que je sais pas trop comment vous montrer quand même du jeu parce que le but c'est aussi donner envie. Donc j'ai un peu du mal à savoir comment doser pour vous montrer ce que vous avez besoin en essayant de pas trop vous spoiler. Vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai réussi ou pas. Vous avez des idées pour mieux réussir. Qu'est-ce qui a pas marché? Là on voit écran titre, base du jeu, quoique il y a un PC, dans ce PC, il y a un PC, quand je bouge les menus,
Ça bouge. Qui est... Alors oui, avant de commencer, j'allais commencer, mais juste avant de commencer et voir la vidéo d'introduction. Le jeu est... Ceux qui ont fait le premier, enfin quand il est sorti en 2013, il y a quand même un intérêt à faire le jeu parce qu'il y a des nouvelles zones, on va dire, qui sont apparues et les anciennes zones ont été plus ou moins retravaillées. Alors là-dessus, vu que j'ai pas joué à l'ancien, je pourrais pas vous dire si c'est beaucoup changé, pas beaucoup. J'ai entendu que a été changé, on va dire, mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond et bah, j'ai pas encore cherché plus de détails. C'est un jeu selon How Long To Beat qui se finit à peu près en 8 heures si on est complétionniste, sachant que si on fait du tout droit, en fait on va dire qu'on peut atteindre la fin du jeu en 10 minutes. Mais ça va pas être une fin satisfaisante, ou en tout cas vous en aurez pas pour votre argent. Vous le finissez pour un bal. Voilà, l'intérêt du jeu, ça va être d'écouter le narrateur, c'est assez comique, il y a pas mal d'humour, voilà. Donc c'est de se mettre dans l'ambiance, écouter le narrateur. Et... Donc je lance, il y a une cinématique et je suis pas prêt. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Voilà. Donc, c'est c'est l'histoire de Stanley. J'ai entendu le narrateur raconter l'histoire. Par refaire. Rapidement pour les touches. On a le... Alors j'ai pas mis la manette de PS. On peut se déplacer, regarder dans toutes les directions. Et en haut, je crois qu'on peut pas. On n'a pas de corps, comme d'habitude. Et on peut pas sauter. Et on peut s'accroupir. Là, les touches, vraiment, ça va pas plus loin. On peut pas vraiment configurer autre chose, je crois. Donc, ça, c'est fait. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Et donc, no matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Je disais donc. Va pouvoir suivre les instructions du narrateur. Alors là, pour un peu plus vous donner une idée
jeu, je vais pas 100% suivre les instructions. Mais je conseille quand même pour pour ceux qui n'y ont pas joué en tout cas. Je vous conseille de suivre les instructions du narrateur au début. Aller jusqu'à la fin, je pense que ça fait minute max, un peu son temps. On suit les instructions comme ça, après on va pas tomber sur des trucs un peu avancés et on va se demander mais est-ce que je un truc, est-ce que j'ai pas compris parce que quelque chose. Moi en tout cas, j'ai pas trop tout suivi au début. Et après, je me suis fait emmener pendant des passages qui peuvent être un peu longs où t'as pas envie de retourner en arrière. Je sais pas si. Voilà. Je sais pas si ça avait une influence et si juste vivre jusqu'au bout au moment où j'y ai. Mais alors je pense les suivre c'est pas très long et on a la trame globale de l'histoire et après parti quoi. Plein de buts, j'ai pas tous essayé mais non, on peut pas vraiment aller dans les portes numérotées. Peut-être que je les ai pas toutes faites et que j'aurais dû. Porte fermée, bon, elle est fermée. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Voilà, là, typiquement, le narrateur nous dit d'aller à gauche. Voilà, là, je vous conseille de suivre ce qu'il raconte. Ensuite, je vais vous montrer. Pas si on choisit de désobéir au narrateur. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Donc le jeu s'adapte, enfin, du moins. Hein, avoir plein de je pense qu'il y a un flowchart. J'ai vu passer des flowcharts un petit peu en regardant lui, mais je les ai pas regardés en détail. Pas me spoiler justement. Et on sait que bah là, on peut tourner à droite et il va se passer ça, puis aller à tel endroit. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. C'était papa numéro 1. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Si, un truc que j'ai pas du tout. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Il y a une démo au jeu original, pas l'Ultra Deluxe, mais le jeu original de 2013. Conseille à tous de la faire. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. C'est le quatrième mur. Et du coup, il y a une démo qui est sortie avec le jeu à l'origine. Et je vous conseille à tous ceux qui l'ont pas fait de la faire parce que justement la démo essaye de ne rien spoiler et elle est faite pas avoir eu tous les trucs. J'ai regardé justement le wiki. Il y a une vingtaine de points, je dirais, pour les easter eggs qu'il y a juste dans la démo. Démo qui dure une demi-heure et deux heures, je me souviens vraiment plus, je suis désolé. Et je suis à peu près certain d'avoir loupé au moins la moitié des références et des choses à voir dans la démo. Du coup, regardez pas le flowchart, j'ai pas vu de flowchart pour la démo.
Mais le descriptif, tout ce qu'il y avait à regarder dans la démo, et tourner juste pour voir ce qui se passe. Alors après, c'est un petit peu moins bien. Par exemple, les textes là sur les tasses est un peu vachement même pixelisé, je trouve, sur la démo dans le Source Engine final en 2013. Là, on voit quand même les graphismes ont été améliorés, donc des petits trivia, But tout at ça. last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Mais bien la porte à gauche. Et là. J'entends pas de pas suivre le narrateur raconte. Et oui, je disais, la démo est aussi bien. Alors, du coup, il n'y a pas vraiment de lien de ce que j'ai vu pour le moment. Alors, il y a peut-être des références de l'un à l'autre, mais. Quelques assets évidemment, mais il n'y a pas vraiment de lien direct. Et c'est aussi sympa à regarder, à faire. C'est une expérience un peu différente. Gratuit, donc vous hésitez à acheter le jeu, n'hésitez pas à tester la démo et voir si le genre de jeu narratif avec un narrateur ça vous plaît. Parce que narratif à la journée, joueur ou ce genre de choses, ou. Où c'est une narration d'ambiance et de l'univers. Là, c'est plus vraiment le narrateur qui va nous raconter des choses et qui va placer à certains endroits. On va explorer certaines zones. Mais ça va peut-être plus se rapprocher. Alors, je les ai pas du tout fait et ça, pas des masses de loin, donc c'est vraiment la même chose, mais c'est peut-être des expérience narrative à la le Telltale ou Life is Strange ou ce genre de choses. Là, on a un peu désobéi, on a vu qu'il nous a quand même pas mal parlé dans cette salle quand on y était juste resté. Là, je vais pas rester très longtemps encore sur la démo, mais on va le suivre un petit peu ce qu'il raconte. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door. And got back on track. Il veut qu'on aille directement opposé. Ouais, on va y aller. Je veux vous montrer de la démo, on va y aller. Évidemment, je reviens en arrière. Et là. Bien, mais vous. Bien vite. Ici, cette porte-là, c'est la porte de gauche au début. On a réussi à revenir de là où il nous avait dit partez à gauche, on est parti à droite. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Là, cette salle-là, j'ai bien regardé tous les tableaux blancs, toutes les notes que je pouvais voir. Enfin, je vais pas les relire ici, hein, mais je vous laisse. Si vous voulez faire pause et les lire, peut-être pas tous, mais j'avais regardé aussi tous les le diaporama. Un diaporama, il y a part en cacahuète. Voilà. Raconte limite une petite histoire d'ailleurs, ce diaporama à lui tout seul. Il reparle d'ailleurs un peu dans cette là. Narrateur. Oui, c'est une salle de réunion, mais il y a des papiers qui ont l'air de rester là en permanence. Notelab, c'est. De loin, on dirait des partitions de musique, mais pas vraiment en fait. Après,
dream, pas vos rêves pour le faire. J'ai l'air de vouloir parler. On va y aller. Bah tiens, j'ai rien, on va aller dans le placard à balai. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. J'aime bien mon placard à balai. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Si. Bien mon placard à balai, moi. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ah, le narrateur s'intéresse à nous. Les choix étranges. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Je crois que j'avais même pas fermé la porte ou je n'étais pas resté sur. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friends you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Qui spoil un peu tout seul, mais. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Écoutez ça. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. Je pense qu'il a fini. Bah, je savais pas qu'il allait autant parler si. Dans le placard à balai. Comme quoi, il y a des dialogues planqués un peu partout. Des choses que d'habitude dans les autres jeux on aurait pas pu rentrer dans un placard à balai. Y a rien. En tout cas, le jeu s'en sort totalement fichu. Peut-être ouvrir, fermer la porte, Philippe. Je pense qu'on ne saura pas. Bien. Rien ne se passe. Très bien. On va. Et alors? Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ah. Voir, à voir.
Ça va être ce genre d'humour, on va dire. Eh bien, je y a pas trop spoilé tout en le narrateur narraté. Plus que déçu. Montrait pas assez, le narrateur n'avait pas tenté. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Il a dit de monter. Il a dit une marche après. Alors est-ce que... Que non ? Ah c'est une... Marquis. Celle de bain des... Est-ce un crime ? Commettre des crimes n'est pas riche. Quel vice ce serait de devoir en choisir qu'un seul. Et on a monture de magazine. C'est extrême. On va zoomer. Bref. J'avais pu faire pause. On va lire. Il y a évidemment, comme dans la plupart des jeux vidéo, des miroirs sans teint. On ne s'ouvre pas. La réception m'étonne. Les pages beiges. Les pages beiges. Ceux qui ont connu les téléphones fixes et au teint. This time avec une belle courbe qui s'écrase qui s'arrache et une cravate sur la droite. Apparemment on peut pas y aller comme ça. Alors je vais aller. Je sais qu'il va pas mal parler quand je vais rentrer dans le bureau. Pour vous dire, là, on y est. On vient de discuter 30 minutes avec vous et encore pas 30 minutes une game. Il y a eu un peu lentement. J'ai été avant de rentrer dans le jeu, etc. etc. Et, je dirais que, en allant tout droit, on y est en 5-10 minutes. Donc là, si on suit les instructions, en fait, on en est déjà quasiment à la moitié en suivant les instructions. Sauf que moi, je suis arrivé ici et après, je suis pas revenu ici avant plus de 2 heures de jeu. Voilà. Je vais montrer la plupart des endroits que je connais. Et eux-mêmes m'emmènent à d'autres endroits. Mais voilà, et pour vous montrer que le jeu est... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Un code. 2845. Marrant.
En 2013, le jeu. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Whoop-de-doo. Voilà, le jeu vous laisse des choix des fois. Pour rien faire, c'est un choix. Je pense quand même, si vous avez tenu jusque-là, on pourrait presque dire que Stanley Parable est quand même bien tourné autour des choix, autour des choix qu'on nous laisse d'habitude dans les jeux vidéo, ce genre de choses. Alors je l'ai pas complété à 100%, mais voilà, c'est quand même l'impression qu'il donne. J'ai pas trop lu les articles, mais ils avaient l'air aussi de... Vous avez une bonne idée maintenant de l'humour qu'il va pouvoir y avoir dans le jeu, de la voix du narrateur vous irrite ou pas, mais... je la trouve plutôt douce, plutôt sympa. Et en mode... lumière. Je pense qu'on peut arrêter la découverte ici. N'oubliez pas de me dire du coup. Bah déjà, si la découverte vous a plu. Toujours sympa à savoir. Et si la façon de faire pour un jeu où on n'a vraiment pas envie de spoiler vous a plu aussi, parce que j'ai. Je pense à deux autres jeux que. Voire trois, où je pense que c'est pas. Vraiment pas bien de spoiler, ou en tout cas je vais pas trop me spoiler. Voilà, s'il y a d'autres découvertes qui sont genre là, que j'ai bien fait de restreindre au maximum, est-ce que vous auriez voulu que j'avance quand même jusqu'au bout et c'est pas grave, j'avance plus vite en tout cas et c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et à bientôt. Bye.